du JAL, le cours où on casse les préjugés en les comparant à la vraie vie. Alors, mes petits cancres, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Quelqu'un a une idée? Oui, Zélie. L'homophobie, les manifestations de mépris, rejet et haine envers des personnes, des pratiques ou des représentations homosexuelles ou supposées l'être. Précisément, Madame la Lèche-Botte, on traitera ça. Une autre idée? Oui? Quand il y en a qui se moquent, ils disent non, mais c'est pas le champ, et je veux comme vous. Ah, le harcèlement, c'est tellement drôle. On verra ça, oui. Mais encore? Les préjugés sur les filles. Et sur les gars. Est-ce vraiment des préjugés pour les garçons? On vérifiera ça. Allez, un petit dernier? Je sais. Le reste. Bien vu, surtout de la part de notre correspondante africaine. Mais je suis française. Allez, ouvrez vos manuels. On commence par la page homophobie. Page versus life. Homophobie. Page. Oh ma chérie, t'es magnifique. C'est pas ce qui m'est arrivé. En courant tes doigts, j'ai cassé un ongle, tu te rends compte? Non mais t'as une belle tête. Eh, tu sais quoi? L'autre jour, là, il y a Julie qui m'a parlé pendant une heure de ses ongles. Mais qu'est-ce qu'il en a fiché, moi, de ses ongles, là? Je te comprends, je déteste le foot et tout le monde me propose toujours de jouer au foot. Je déteste ça. Dur d'être homosexuel. Page versus life. Harcèlement. Page. Versus life. Sexisme. Page. Versus life. Racisme. Page. Hey, mon frère, je m'appelle Elia, je suis africaine, je viens d'Afrique, j'adore les bananes. Ni hao, je viens de Chine. Je suis très honorée de vous rencontrer. Life. Bonjour, je m'appelle Elia. En fait, vous savez que l'Afrique, c'est un continent et pas un pays. Moi, je suis française, je suis née là-bas et je suis originaire de Côte d'Ivoire, c'est tout. Salut, moi c'est Maïla et tous les Asiatiques ne sont pas chinois. L'Asie est un continent et la Chine est un pays. Eh bien, tout ça était très instructif. Le cours touche à sa fin, mais on n'en reste pas là, le petit fainéant. Alors, devoir pour tout le monde. Pour la semaine prochaine, je veux que vous notiez toutes les situations de discrimination que vous rencontrez, ainsi ce que vous avez fait pour les corriger. À la semaine prochaine!